Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui nous donne la force, la santé et aussi l'opportunité de pouvoir parler de sa part. Nous croyons que la connaissance de la parole devrait nous sanctifier selon qu'il est écrit dans la Bible, que Père sanctifie-les par la parole. La parole, quand nous l'enseignons, devrait en principe nous rapprocher du royaume et faire de nous des hommes changés et transformés. Et je crois que c'est de cette manière que nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17, où nous voudrions parler sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Je ne passerai pas beaucoup de temps dans l'exhortation ou dans les divers parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, comme je suis dans une assemblée des prédicateurs, c'est beaucoup plus facile d'aller plus vite parce que je suis en train de présumer que tous les prédicateurs sont des grands lecteurs de la Bible. Et comme on est des grands lecteurs de la Bible, donc ça va être plus aisé de naviguer dans des vagues. Ça va être plus facile de naviguer dans la grande tempête. Hein, parce que nous avons l'ancre aussi bien installée pour résister à cela. Matthieu chapitre 17, le premier verset, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Je vais finir par le verset 4 et 5. Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tout un chacun. Nous allons d'abord expliquer la marche que le Seigneur a faite. Donc, la Bible dit que c'est 6 jours après que le Seigneur prit Pierre, Jacques et Jean et alla avec eux sur la montagne. Il est important d'abord de comprendre que c'est que le Seigneur est entré avec les 3 disciples dans le repos. Parce que 6 jours après, c'est que nous sommes le 7e jour. Donc nous croyons la transfiguration de Jésus s'est donc faite au 7e jour, qui est en fait le jour du repos. Selon qu'il est écrit dans la Bible que vous travaillerez 6 jours, et le 7e jour, vous vous reposerez. Or, quand l'homme se repose, c'est-à-dire que l'homme vient de quitter la terre. Ok? Donc, parce que ceux qui dorment en Jésus, ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, viennent de quitter ce monde et sont dans le repos de Dieu. Ici, le 7e jour va donc être défini comme le jour où l'homme achève sa course sur la terre et rentre dans le repos de Dieu. Hein, donc, il s'est dépouillé donc de sa chair pour rentrer dans le repos de Dieu. Ainsi, nous comprenons que le jour où le Seigneur se transfigure,
C'est un jour qui n'est pas dans le temps. C'est un jour en dehors du temps. Et à ce titre-là, nous voudrions donc confirmer cela, parce que c'est ce jour-là que les apôtres ou les disciples ont vu la vraie face de Jésus. Voyez-vous? Donc, ils ont vu qu'en réalité, Jésus-Christ, c'était tout un soleil. Donc, il était la lumière du premier jour. Il était donc le soleil du quatrième jour. Or, selon les livres d'Ésaïe, l'Éternel Dieu s'identifie comme étant le soleil. Et aussi, quand nous lisons les livres de Jérémie, l'Éternel se compare comme étant l'époux d'Israël et il dit, c'est semblable à un soleil qui sort de sa chambre. Donc, le soleil représente donc Dieu lui-même. Mais remarquez que la Bible dit que 6 jours après, ils sont allés sur la montagne. OK? Donc, ils ont fait une marche de bas vers le haut. Parce que aller sur la montagne, c'est justement monter au ciel. Hein? J'aime l'écriture. La Bible dit, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, ici, l'endroit où ils sont partis, c'était en dehors du temps. Ils sont allés sur la montagne de l'Éternel. Or, la montagne de l'Éternel, c'est les lieux élevés. C'est pourquoi les psalmistes pouvaient dire, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. L'Éternel Dieu habite les sommets de la montagne. Donc, nous considérons les sommets de la montagne comme étant les lieux élevés. Nous considérons les sommets de la montagne comme étant les ciels ou les cieux. OK? Et les bas de la montagne comme étant la terre. C'est pourquoi l'Écriture dit 6 jours après. Nous voudrions donc dire les 6 jours qui précèdent le jour de la transfiguration de Jésus. Ces 6 jours-là représentent la terre. Et la haute montagne, là où il est allé se transfigurer, représente les cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette marche-là de notre Seigneur Jésus-Christ représente donc le premier jour de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous? Donc, les 6 jours d'avant, les jours où le Seigneur se transfigure, ces premiers 6 jours-là représentent donc la dispensation du moment où l'homme est sur la terre. Et quand il prend Pierre, Jacques et Jean, il les amène sur une haute montagne. La haute montagne représente les cieux. Donc, c'est important. Je voudrais ici tirer une petite exhortation pour comprendre que la marche de l'homme, c'est justement marcher sur la terre pour aller au ciel. Hein? Donc, c'est pourquoi vous remarquerez que le Seigneur crée les 6 premiers jours. Dans ces 6 premiers jours où le Seigneur crée, il parle d'un matin et d'un soir, d'un matin et d'un soir, c'est-à-dire que le soleil s'élevant et se couchant, le soleil s'élevant et se couchant, mais le 7e jour, c'est le seul jour où le soleil ne s'est pas levé et ne s'est pas couché. Okay? C'est le seul jour en réalité qui ne peut pas être compté dans les temps. Parce que c'est le soleil levant et le soleil couchant qui déterminent les temps. Si le soleil ne s'élève pas et ne se couche pas, il est impossible de compter les heures, il est impossible de compter les jours, il est impossible de compter les semaines, il est impossible de compter les mois, il est impossible de compter les années. OK? Le soleil s'élevant et se couchant détermine la dispensation temporelle.
Voilà pourquoi, les six premiers jours de la création, l'Éternel va répéter l'expression qui dit, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. On est ensemble, nous pouvons continuer. Je continue ma marche sur cette question-là. Remarquez que les six premiers jours de la création, j'explique ces choses pour faire comprendre pourquoi la Bible dit 6 jours après et pourquoi je confirme que 6 jours après, c'est-à-dire qu'il était rentré dans le septième jour. Or, les six premiers jours, pour qu'on en parle, il faut que le soleil s'élève et que le soleil se couche. Donc, les six premiers jours, je suis en train de l'identifier aux six premiers jours de la création. Maintenant, le septième jour de la création, la Bible dit tout simplement que l'Éternel Dieu se reposa de toutes ses œuvres, et c'est le seul jour où le prophète Moïse n'a pas répété l'expression il y a un soir, il y a eu un matin. Je voudrais, si vous le permettez, que le Seigneur nous aide, je peux essayer de vous lire cette écriture-là très très rapidement. Très très rapidement, parce que j'ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire, puisque je n'ai qu'une seule intervention à faire. Je voudrais vider ma matière aujourd'hui. Remarquez, je suis dans Genèse chapitre 1er, je crois. Voilà, chapitre 1er. Ou chapitre 2, je crois. OK. Chapitre 2. Genèse chapitre 2. La Bible dit, premier verset, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voyez-vous, le prophète Moïse, lorsqu'il parle de jour, le septième jour, c'est le seul jour où il n'y a eu ni matin ni soir. En d'autres termes, c'est le seul jour où le soleil ne s'est pas levé et ne s'est pas couché. OK? Maintenant, regardez. Quand le Seigneur prend les trois disciples et qu'il va avec eux sur une haute montagne, je suis en train d'expliquer que la haute montagne, là, c'est le septième jour. Mais quand il arrive là-bas, comme au septième jour, le soleil ne peut pas s'élever ni se coucher, d'après la description du prophète Moïse, c'est comme ça que lui-même se déguise. Ah, non, non, je ne voudrais pas dire se déguiser. Il se transfigure. Hein? Et j'aime la précision de l'écriture. L'écriture dit ceci, je rentre là-bas dans Matthieu chapitre 17 pour que nous puissions avoir cette précision de l'écriture. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, au jour de sa transfiguration, le Seigneur va donc répéter le premier jour et le quatrième jour de la création. Le premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Le quatrième jour de la création, Dieu crée le soleil. Et comme vous le savez, c'est-à-dire le soleil est l'habitation de la lumière. OK? C'est-à-dire au quatrième jour, Dieu prend la lumière, il le fait porter un corps, lequel corps, il appelle ça le soleil. C'est une façon de dire que la lumière qui est Dieu va donc porter un corps et ce corps-là va être appelé le soleil. Et ce corps-là marchera au milieu des hommes. Voilà pourquoi cette transfiguration que le Seigneur opère sur la haute montagne, c'était pour attester qu'il est le Créateur, qu'il est la lumière, qu'il est Dieu. C'est à ce titre-là qu'il va même interdire à ses disciples
de ne pas en parler. OK? Donc, parce que si les disciples en parlent, c'est-à-dire les gens comprendront qu'il est Dieu. Or, il est dans la dispensation de ne pas révéler ce qu'il est, parce qu'il est encore dans la maison de Jacob, il est encore dans la maison d'Israël. Donc, premier élément à retenir, c'est celui-là. Donc, le septième jour, qui est une haute montagne, représente les repos de Dieu et représente l'éternité. OK? Je voudrais ajouter d'autres éléments parce que je vous avais dit que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. L'Écriture dit 6 jours après, il prit les 3 disciples et qu'est-ce qu'il fait? Il entre avec eux, il va avec eux sur une haute montagne. Je voudrais dire que prendre les disciples Pierre, Jacques et Jean représente aussi l'enlèvement. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que le Seigneur était avec tous les disciples, mais ces jours-là, comme il voulait entrer dans le repos, en d'autres termes, il voulait quitter le monde, hein, parce que j'explique qu'aller sur la haute montagne, c'est quitter la terre. Je voudrais, pour attester de ce que j'ai dit, si vous permettez, visiter le frère Lot. Vous allez remarquer que lorsque l'Éternel Dieu envoie les 2 anges dans le pays de Sodome et Gomorrhe, lorsque les 2 anges arrivent dans le pays de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'ils ont fait sortir Lot du pays de Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot de courir vers la montagne. Je vais répéter ça clairement pour que nous nous mettions d'accord. Hein? Les anges ont dit à Lot de ne pas se retourner et de courir vers la montagne. OK? Remarquez, on pose la question à Jésus, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus répond, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Lot, c'est que Dieu, avant de détruire la terre, il a d'abord fait sortir Lot et sa famille. Lot, ses deux filles et sa femme. OK? Et il leur demande de courir, d'aller vers la montagne. Ce mouvement-là de Lot qui quitte Sodome et Gomorrhe et qui court vers la montagne, c'est le mouvement de peuple enlevé. En d'autres termes, c'est l'enlèvement. On est d'accord, non? Parce que c'est le signe de son avènement. C'est-à-dire, avant que le Seigneur ne vienne, il faudrait que la famille de Lot soit enlevée. Il faut qu'ils aient quitté la terre. OK? Or, pour quitter la terre, il faut achever au 6e jour et rentrer au 7e jour. Donc, entrer dans le repos, c'est-à-dire entrer dans le 7e jour, c'est aussi l'image de l'enlèvement d'un peuple qui quitte la terre et qui rentre dans les cieux. C'est pourquoi j'ai dit Pierre, Jacques et Jean représentent aussi le peuple qui va être enlevé. Donc, les gestes où le Seigneur prend Pierre, Jacques et Jean pour les amener sur la haute montagne, c'est aussi l'image de cette église, okay? De l'épouse, voilà, j'aime ça. C'est l'image de l'épouse qui quitte la terre et qui rentre dans la fête des noces. OK? Donc, cette transfiguration sur la haute montagne, c'est aussi la fête des noces. Parce que il n'y a que ces 3-là qui ont finalement contemplé la face du soleil. Or, je vous ai dit que le soleil, selon les livres de Jérémie, c'est un époux. Le soleil, selon les livres des Psaumes, je crois 119, verset 4, le soleil est un époux. Donc, Pierre, Jacques et Jean, ils sont en train de contempler, parce que je viendrai pour expliquer Moïse et Élie, ils sont en train de contempler
le Seigneur Jésus-Christ est comme le soleil et comme la lumière, sont l'image de l'épouse. Donc là où ils sont, en réalité, c'est la fête des noces. Voilà pourquoi ils ont eu le plaisir de rester là-bas, de ne pas vouloir descendre. Mais n'oubliez pas, hein, même jusqu'avant sa mort, les choses que nous expliquons sont encore l'ombre des choses à venir. Il n'y a donc pas la représentation exacte de cela. Je répète ça pour une meilleure saisie, parce que je vais revenir. Donc, le Seigneur, en prenant les trois disciples, il a laissé les autres. OK? Ils étaient tous ensemble, il a pris trois, il a laissé les autres. Les trois-là qu'il a pris, il les a amenés sur la montagne. Le trois représente, en réalité, les peuples ou l'épouse, la totalité des païens qui participent à l'enlèvement. Je vais relier cela avec le troisième jour de la création, pour expliquer la même chose. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur continue à nous garder, à nous protéger, à nous nourrir. Je voudrais relier ce que je viens de dire tantôt ici au troisième jour de la création. Mais laissez-moi d'abord calligraphier proprement pour que lorsque nous rentrerons dans le troisième jour de la création, que chacun de nous soit à même de comprendre ce que je voudrais dire. Donc, il se passe ici un sérieux problème. Voici le problème qui se passe là, c'est que le premier élément, c'est que Jésus-Christ vient recruter les disciples. Ok? Vous savez que Jésus avait plusieurs disciples. Hein? Bon, malheureusement, cette scène ici ne concernait pas tous les disciples. Hein? La scène ici ne concernait que les apôtres. Mais rentrons d'abord dans les choix des apôtres, des disciples. Quand le Seigneur commence à choisir les douze, il les avait trouvés dans le monde. On est d'accord. Il a trouvé les douze dans le monde. Alors, il commence à les appeler. En d'autres termes, il fait sortir les douze du monde. Il appelle Pierre, il appelle Jean, Jacques, tout ce monde-là, comme vous savez. Donc, en les appelant, il les faisait sortir du monde. Parce qu'ils étaient tous des païens. Hein? Ils étaient tous dans le monde. Et maintenant, ils sortent et les douze commencent à marcher avec Jésus. Maintenant, quand nous arrivons au jour de la transfiguration, avant cet événement-là, Jésus-Christ, au lieu de prendre tous les douze, non, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère Pierre, Jacques et Jean. Hein? Ceci est très important. Il est important de préciser que Matthieu chapitre 17, okay, que nous sommes en train d'exploiter ici, cette écriture ici n'a rien à voir avec le jour où Jésus va à la montagne la veille de sa mort. Hein? C'est très important. Donc Matthieu 17 n'a rien à voir avec le jour où Jésus va dans les jardins de Gethsémané. Parce que le jour où Jésus va dans les jardins de Gethsémané, ce jour-là, les disciples n'étaient pas au nombre des douze, ils étaient au nombre des onze parce que Judas l'Iscariote n'était pas là. Mais le jour de la transfiguration, Judas Iscariote était encore avec les douze. Ceci est très important. Maintenant, remarquez, au jour de la transfiguration, il récupère Pierre, Jacques et Jean. Il va avec eux sur la montagne. Donc, le Seigneur va laisser les autres apôtres. Mais quand ils arrivent sur la montagne, il n'y a que lui qui se transfigure. Et l'Écriture dit ceci, que les disciples ont regardé. Ok, j'aime ce que la Bible dit, je vais lire ça pour vous. Le verset 3 de Matthieu 17. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu peux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ok?
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je reprends ça. Une voix se fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Je reprends l'écriture. Jésus s'approcha, les toucha. Donc, j'ai compris que quand ces événements s'est passé, Jésus n'était pas plus proche de ses disciples. On est d'accord? Je voudrais répéter ça clairement parce que c'est très important. Quand vous lisez les textes noir sur blanc, vous aurez l'impression qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. Non? L'Écriture précise que Jésus s'approcha. Donc, j'ai compris que Jésus n'était pas avec eux. C'est-à-dire que la scène où Jésus s'est transfiguré, la scène où Élie et Moïse apparaissent, cette scène-là, les disciples n'étaient pas plus proches de Jésus, c'est-à-dire ils étaient séparés. Il y avait une distance entre eux. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi je crois que les disciples n'ont pas entendu qu'est-ce que Jésus parlait avec Élie et Moïse. Ils l'ont vu en train de s'entretenir, mais ils n'ont pas entendu ce qui se disait. Ok? C'est très important. Maintenant, quand la nuée les couvrit, la voix se fit entendre, tout ça, alors les disciples se sont assombris, ok? Ils ont dormi. J'aime ça. Bon, essayons de ne pas entrer là-bas. Hein? Maintenant, l'Écriture dit, Jésus s'approcha et les toucha. Donc, j'ai compris que entre les trois disciples et Jésus qui s'entretenait avec Moïse et Élie, il y avait aussi une distance. En d'autres termes, je voudrais dire ceci. Le Seigneur a laissé Pierre, Jacques et Jean quelque part et lui s'est déplacé pour s'entretenir avec Moïse et Élie. Et c'est là que le Seigneur s'est transfiguré. Ok? Donc, les disciples ont vu à une certaine distance, le Seigneur en train de s'entretenir avec Moïse et Élie. On est d'accord. Je veux maintenant ramener cela au jour de la création, au troisième jour de la création. La Bible dit, au troisième jour de la création, donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Et la terre était informe et vide. Et le Seigneur va donc appeler la terre. On est d'accord? Quand le Seigneur appelle la terre, la terre était sous l'eau. Je voudrais dire dans un langage, parce que je suis dans un auditoire des prédicateurs et pas des moindres, je voudrais dire que les eaux ici représentent le monde. Et dans les eaux se trouvait donc la terre. Et la terre représente les hommes. On est d'accord? Parce que les hommes ont été créés à partir de la terre. Dieu avait raison de dire à Abraham, non, à Adam, tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Donc, les eaux représentent le monde, la terre représente les hommes. Mais quand Dieu appelle la terre des eaux, remarquez avec moi que toute la terre n'était pas sortie. Il n'y a qu'une portion de la terre qui était sortie parce que Job l'explique
Dieu dit à Job, lorsque j'ai fait une circonférence sur les eaux, lorsque j'ai coupé les eaux, lorsque j'ai déchiré les eaux, et que j'appelais une portion de terre pour sortir, afin de mettre une limite entre les eaux et la terre, une limite entre la lumière et les ténèbres, où étais-tu? On est d'accord? Donc, toute la terre n'est pas sortie, c'est une portion de la terre qui était sortie. La portion de la terre qui est sortie, c'est justement les disciples que Jésus a appelés. Ok? Quand Jésus était en train de recruter, les disciples étaient dans le monde, c'est-à-dire dans les eaux. Les disciples étaient des hommes, c'est-à-dire la terre dans les eaux. Mais quand Dieu appelle que la terre sorte des eaux, ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux, c'est une portion. La portion de la terre sortie, c'est ça justement les disciples. Les douze, on est d'accord, non? Mais remarquez, je continue ma marche. Hein? Souffrez avec moi. Souffrez avec moi, je continue ma marche. Genèse dit ceci. Est-ce qu'on peut dire ça avec vous? C'est très important. Genèse, il est en train de dire ceci. Quand la terre est sortie des eaux, hein, qui dit le livre de Genèse? Je vais me permettre de lire ça pour vous pour une meilleure compréhension. Parce que je considère que Matthieu 17 est la répétition des livres de Genèse. Je suis dans Genèse toujours là, dans son chapitre premier. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 9, je crois. Verset 10. Dieu appela... Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre. Il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ok? On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez, quand la terre sort des eaux, maintenant, quand vous descendez le chapitre, le verset de la création des hommes, nous sommes au sixième jour de la création. Ok? Verset 26. On est ensemble, non? La terre est sortie des eaux le troisième jour. Mais cette terre qui est sortie des eaux le troisième jour, Dieu l'appelle sec. Ok? Donc, en d'autres termes, c'est une terre dépourvue des eaux. Cependant, la terre a été tirée des eaux. Mais Dieu l'appelle sec. Donc, c'était une terre dépourvue des eaux. Je n'entre pas dans les détails. C'est-à-dire que c'était une terre dépourvue de la parole. Selon le livre d'Ésaïe, donc la pluie qui descend des cieux, la pluie et la neige qui descendent des cieux, hein, c'est pour faire féconder la terre. Donc, si la pluie ne descend pas, la terre est stérile. La terre est sèche. Okay? Donc, la fertilité de la terre vient de la pluie, celle qui descend d'en haut. Okay? Hein, pas des eaux de la terre. Il faut que ce soit les eaux d'en haut qui viennent féconder, qui viennent habiter dans la terre qui était sortie des eaux. Okay? Bon, ce n'est pas le sujet de notre intervention, mais je continue quand même parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ok? Ça arrive le troisième jour. Le sixième jour, Dieu vient maintenant préciser pourquoi le troisième jour, la terre a été appelée le sec. Il dit ceci, nous sommes au sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine sur, vous connaissez, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, le chapitre 2 va nous donner la précision de la manière dont Dieu a créé l'homme. L'Écriture dit, je suis dans le verset 5 du chapitre 2 de Genèse. Lorsque l'Éternel Dieu vit
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok? Donc, cette terre qui est sortie des eaux, Dieu l'appelle sec. Ensuite, pour créer l'homme, il a fallu que Dieu procède au rassemblement de la poussière. Or, le rassemblement de la poussière n'est possible que si la terre est arrosée. On est d'accord? Une fois que la terre est arrosée, Dieu prélève maintenant pour créer Adam. Adam, qui est l'homme qui ressemble à Dieu, Adam qui est l'homme selon l'image de Dieu, dans un autre langage, Adam qui est Dieu. Ok? On est d'accord? Je rentre dans Matthieu chapitre 17. Remarquez. Dieu appelle, le Seigneur Jésus-Christ appelle les disciples du monde. Les disciples qui sont sortis du monde, c'est la terre sortie des eaux au troisième jour. Mais une fois que cette terre est sortie des eaux, il y a une portion de la terre qui est restée quand même dans l'eau. Ce sont tous ces mondes qui ne sont pas prédestinés à la vie éternelle. Hein? C'est ça la terre qui reste sous l'eau. Les disciples sortent. Le Seigneur, pour se transfigurer, il ne prend pas tous les disciples. Ok? Il choisit Pierre, Jacques et Jean. Je voudrais dire, Pierre, Jacques et Jean vont donc représenter la portion de la terre qui a reçu la rosée, hein, la vapeur qui est tombée sur eux. Pour que le prélèvement soit possible, afin d'être à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ici, je suis en train de présenter quatre portions de terre. Il y a la terre qui est restée sous l'eau. Il y a la terre qui était sortie, qui était sèche. Il y a la terre mouillée, vous comprenez, qui a formé Adam. Mais cette terre mouillée qui a formé Adam n'était pas encore un être vivant. Quand Dieu souffle, il y a la terre qui s'est mise debout. Donc nous avons quatre terres, on est d'accord, non? Il y a la terre qui est restée sous l'eau, il y a la terre qui est sortie des eaux, il y a la terre qui a été mouillée, qui a formé Adam, mais lequel Adam n'était pas encore un être vivant. Ensuite, il y a la terre qui a reçu le souffle, qui devient un être vivant. Et cette terre-là représente justement Adam, qui est l'image de Dieu. Je rentre dans Matthieu chapitre 17. Nous avons les hommes qui sont restés dans le monde, qui est la première terre. Nous avons les disciples qui ont été choisis, qui représentent la terre sortie des eaux, qu'on appelle le sec. Nous avons les disciples Pierre, Jacques et Jean, qui représentent la terre qui a reçu la vapeur. Ensuite, nous avons Jésus lui-même qui a été transfiguré, c'est-à-dire celui dont il a reçu le souffle de vie qui devait être vivant. En réalité, Matthieu chapitre 17 représente toute la marche de l'humanité jusque dans l'enlèvement. Avez-vous remarqué cela? Je voudrais ajouter deux ou trois autres éléments parce que je crois que c'est quand même très important. Rentrons maintenant pour marier également ces choses avec la disposition du tabernacle. Parce que la création de l'homme, telle que je suis en train de l'expliquer, en réalité, c'est la disposition du tabernacle. Et ce qui se passe également sur cette montagne haute
dans le livre de Matthieu chapitre 17, c'est aussi une disposition du tabernacle. Regardez, je voudrais décrire le tabernacle, ça va être plus facile à comprendre. Le tabernacle avait trois parties. Il y a la partie qu'on appelait la partie extérieure du tabernacle. Et c'est cette partie-là que nous appelons le parvis. OK? Ensuite, nous avons le lieu saint, la partie où on trouve la table des pains de proposition, les chandeliers, selon la disposition de Moïse, l'autel du parfum se trouvait également dans le lieu saint. Ça, c'est la disposition de Moïse. Hein? Mais la disposition des Hébreux place l'autel du parfum dans le lieu très saint. Mais la disposition de Moïse, l'autel du parfum est dans le lieu saint. Ensuite, nous avons le lieu très saint. OK? Ou qu'on appelle aussi le Saint des Saints. Hein? Je vous reviens. Je voudrais revenir là-dessus. Laissez-moi revenir là-dessus. OK? Le tabernacle. J'ai dit, nous avons le parvis, qui est la partie extérieure du tabernacle, mais qui est quand même dans l'enclos hein, de la tente d'assignation. Nous avons donc le tabernacle, nous avons le parvis. Après le parvis, nous avons le lieu saint. Après le lieu saint, nous avons le lieu très saint ou le saint des saints. Il est important de retenir que dans le lieu très saint, qu'on appelle le saint des saints, l'écriture atteste qu'il n'y avait aucune fenêtre. Ok? Donc, il n'y avait aucune fenêtre. Donc, en fait, les lieux très saints étaient dans l'obscurité. Hein? Les lieux très saints étaient dans l'obscurité. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que Salomon dit dans les livres des 1 Chroniques, chapitre 6, si je ne me trompe pas, il dit, l'Éternel daigne habiter l'obscurité. Hein? L'obscurité dont Salomon est en train de parler ici, c'est le lieu très saint. Je voudrais dire quelque chose, c'est que, parce qu'il ne faut pas confondre obscurité et ténèbres, hein? Donc selon la Bible, ok, c'est très important de ne pas confondre cela, parce qu'il y a une différence entre obscurité et ténèbres dans la Bible. Je peux ajouter d'autres écritures si vous voulez. Mais souffrez cela, ça c'est c'est Salomon qui dit ça, il dit l'Éternel daigne habiter l'obscurité. OK? Donc les ténèbres, il appelle ça comme ça aussi. Mais il faut vraiment faire très attention là-bas. Parce que ce sont des lieux où le Seigneur est en train de se cacher. Il est en train de se cacher. Donc, le lieu très saint était complètement dans l'obscurité. OK? Mais dans cette disposition du tabernacle, il ne faut pas oublier que en dehors du parvis, il y a l'extérieur, il y a le monde. OK? Hein? Donc, en fait, quand vous disposez le tabernacle vous renvoie à la création de l'homme, le tabernacle vous renvoie au livre de Matthieu chapitre 17. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la partie de tout le monde qui est en dehors du parvis. On est ensemble, non? Ensuite, il y a les gens qui quittent leur demeure, qui quittent leur maison, qui quittent leur habitation, qui quittent leur vie. Une portion des gens vont quitter pour se retrouver au parvis. OK? Et dans le parvis, comme vous savez, c'est les lieux de sacrifice. Une fois dans les lieux de sacrifice et que le sacrifice a été fait,
le souverain sacrificateur va récupérer la cendre, c'est-à-dire il récupère une portion du peuple. Il va donc traverser le lieu saint pour finalement se retrouver dans le lieu très saint. On est d'accord? Ceci est très important. Ceci est très important, ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup, j'aurais beaucoup d'éléments à ajouter là-dessus. Donc vous remarquez maintenant que, en réalité, quand on observe les tabernacles et quand on les place parmi le peuple, nous voyons que c'est la disposition des quatre portions de terre. Le lieu très saint, le lieu saint, le parvis et la partie du peuple. C'est ce que j'ai expliqué tantôt là. Donc, le monde, les disciples qui sortent du monde, Pierre et Jacques et Jean, et ensuite le Seigneur Jésus-Christ lui-même transfiguré. Voilà pourquoi nous croyons que la marche de tout enfant de Dieu devrait suivre ce chemin-là. Il quitte le monde, il sort, une fois sorti, c'est-à-dire qu'il est au parvis, une fois qu'au parvis, il est agréé par Dieu, il entre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là où il mange le pain, c'est-à-dire c'est là qu'il reçoit l'enseignement. Une fois qu'il finit ça, il doit entrer dans le lieu très saint. Et lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, naturellement, le lieu très saint, l'Écriture dit, était dans l'obscurité parce qu'il n'y avait aucune fenêtre. Mais comment le lieu très saint qui est dans l'obscurité, le sacrificateur avait la possibilité de travailler? Nous comprenons parce que dans les lieux très saints, l'Éternel Dieu lui-même est la lumière. L'Éternel Dieu lui-même est le soleil. Voilà pourquoi sur la montagne des transfigurations, comme il venait de rentrer dans le lieu très saint, il a fallu que son visage devienne comme le soleil et que ses vêtements comme la lumière. Parce que c'est lui-même qui éclaire. Voyez-vous, c'est lui-même qui est la lumière. Donc, il n'a pas besoin d'une autre lumière dans le lieu très saint. Est-ce que vous remarquez ça? Alors que dans le lieu saint, nous avons les chandeliers qui représentent aussi le ministère, qui représente les hommes. Lesquels hommes portent la lumière pour porter l'éclairage sur le pain, pour permettre au peuple de manger. Est-ce que vous comprenez cela? Pour permettre au peuple de manger. Donc, le Seigneur qui se transfigure là, en réalité, il est dans les lieux très saints. Et là-bas, il est le seul maître. Il est la seule lumière. Il est le seul soleil. Et là-bas, la lumière de l'extérieur ne peut pas rentrer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ceci est très important. Donc, il faut nous suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est pourquoi je vous avais dit que là où Jésus se transfigure, il était seul, s'entretenant avec Moïse et Élie. Je vais revenir pourquoi l'apparition de Moïse et Élie. Ceci est très, très important. Je reviens ça. Je vais revenir bientôt. Donc, cette disposition-là, c'est la disposition du chiffre 4. OK? C'est la disposition du chiffre 4. C'est tous les plans de la rédemption. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde. Le monde ici représente tous les humains. Dieu s'est choisi une portion des humains. Il les fait sortir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire ici. Il les fait sortir du monde. De ceux qui sont sortis du monde, Dieu s'est choisi encore une autre portion. Laquelle portion va aller avec lui à l'enlèvement?
Et ensuite, Dieu lui-même va entrer dans les lieux très saints. Ok? Et nous, nous allons contempler Dieu sur son trône. Ok? Régnant. Nous contemplerons Dieu assis sur son trône. Ceci est très important. Je voudrais apporter quelques éléments ici de précisions sur cette disposition-là avant de toucher Moïse et Élie. Et le pourquoi le Seigneur a voulu que les disciples voient Moïse et Élie. Okay? D'abord, je remercie les intervenants qui m'ont précédé. Comme c'est une chambre comme un labyrinthe, donc d'autres ont pris d'autres chambres dans ce labyrinthe. Donc cela ne peut pas nous empêcher de prendre notre couloir. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, l'Écriture dit, sur cette montagne-là, dans la chambre haute, va donc apparaître Moïse et Élie. Ok? Souffrez avec moi parce que je vais essayer de ramener d'abord ces choses ici sur la montagne de Golgotha. C'est très important. Est-ce qu'on peut revenir là-bas? Maintenant, écoutez maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Ramenons, parce que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu répétiteur. Hein? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il répète de plusieurs manières. Nous n'étirons pas attention. Je vais les répéter d'une autre manière. On est ensemble, non? Regardez, le Seigneur reprend la même chose au jour de sa mort. L'Éternel Dieu, Jésus, était avec ses disciples au jour de la Pâque de sa mort. Quand on vient arrêter Jésus, on est d'accord, non? Quand on vient arrêter Jésus, d'abord, il est important de retenir que le jour où on vient arrêter Jésus, Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Ok? Jésus avait plusieurs disciples. D'ailleurs, remarquez que 40 jours après, c'est-à-dire après sa mort, le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Écriture dit qu'il y avait plus de 120 disciples dans la chambre haute. Donc nous comprenons que quand on arrêtait Jésus, Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Non, il en avait plusieurs. Mais il est important de retenir que le jour où on l'arrêta, Jésus n'était qu'avec les 12. Ok? Mais où étaient les autres là qui se sont retrouvés dans la chambre haute au nombre de 120? Nous voulons placer cela par rapport à Matthieu chapitre 17. Plaçons cela. Remarquez que Jésus avait plusieurs disciples. Ok? Mais le jour où on vient arrêter Jésus, tous les disciples n'étaient pas là à part les 12. Donc, il y a eu un choix. Jésus a laissé tous les autres disciples. Il n'a pris que les 12. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Les 12 là que Jésus prend, c'est ce que j'appelle la terre sortie des eaux, que Dieu appela le sec. Ok? Et on arrête Jésus. Mais quand on a arrêté Jésus, et qu'on l'amène sur la montagne de Golgotha, nous constatons que Jésus sur la montagne de Golgotha, il n'y a eu que Marie, mère de Jésus, je crois, il y a un autre Marie, et Jean, qui sont allés se retrouver au bas de la montagne. Je voudrais lire cette écriture-là. Souffrez que je lis cette écriture-là, je suis en train d'espérer que je trouverai cette écriture-là, ok? Souffrez avec moi, je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il est quelque part là. Alors, souffrez avec moi que je trouve cette écriture-là. Hein? Je ne sais pas.
Non, en tout cas, je crois que ça doit se trouver dans les livres de Matthieu. Si je ne trouve pas ça, je reviendrai plus tard, ok? Bon, Marc, je suis en train de chercher, hein? Souffrez avec moi, vous souffrez pour une bonne cause. Nous sommes en train de chercher les versets, mais si on ne les trouve pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous reviendrons plus tard. OK? Nous revenons dans la dernière intervention pour donner ce verset-là. OK? Si on ne les trouve pas. Et regardez, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. Juste dans le livre de Luc. Hein? il est merveilleux. Bon. Je suis dans. Je ne l'ai pas encore vu, ok, mais. Je reviendrai plus tard. Je vais revenir là-dessus plus tard, si le Seigneur le permet. Ok? Mais je voudrais dire que le jour où Jésus fut crucifié, ça doit se trouver dans les livres de Matthieu. Le jour où Jésus fut crucifié, n'était à la croix avec lui. Marie, sa maman, il y a une autre Marie et il y avait Jean. OK? Donc, pourquoi cette écriture-là, je ne l'ai pas, pourtant je l'ai toujours eu avec moi ici. Je pouvais bien le trouver. Bon, bon, ce n'est pas grave. Regardez. Bon, je vais revenir là-dessus pour ne pas vous perdre beaucoup de votre temps. Maintenant, Marie, mère de Jésus, notre Marie et Jean étaient à la croix. OK? D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que Jésus dira à Jean, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils, ok? Nous étions à la croix. Et lui-même, Jésus, était sur la croix avec des brigands. On est ensemble, non? Je voudrais dire ceci, avant d'abord d'entrer dans l'explication. C'est Matthieu, chapitre 17. Donc, les autres disciples-là qui n'étaient pas avec Jésus dans la chambre haute, pendant la Pâque, représente la portion de la terre qui est restée sous l'eau. OK? Représente tous ceux qui sont restés dans le monde. Les 12 qui marchent avec Jésus, qui mangent avec lui pendant la Pâque, représentent en réalité les autres disciples que Jésus a laissés. Alors que Marie, mère de Jésus, Marie et Jean, qui vont aller avec Jésus jusqu'à la montagne de Golgotha, représentent Pierre, Jacques et Jean. Et que Jésus lui-même, qui est sur la croix, avec les deux brigands, va donc représenter le Seigneur Jésus transfiguré, s'entretenant avec Moïse et Élie. Bon, quelqu'un pourra poser la question, comment Moïse et Élie? Comment tu as fait de ces deux brigands, Moïse et Élie? Racontons d'abord ce qui s'est passé dans cette scène-là. Je suis sur la croix. Parce que j'explique que sur la croix, c'était Jésus qui s'est transfiguré. OK? Maintenant, relatons les faits. Je suis tout à fait à l'aise parce que vous êtes censé connaître les Écritures. Quand nous sommes arrivés sur la croix, il y a un des brigands qui dit à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous. OK? C'est-à-dire, ce brigand-là n'a pas cru. On est ensemble, non? L'un des brigands n'a pas cru. Alors que l'autre brigand a reconnu son péché, il demande à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Donc, sur la croix, il y a eu un qui a cru et il y a un autre qui n'a pas cru. Et nous disons que celui qui n'a pas cru représente le sacerdoce de Moïse. Pourquoi? Parce qu'au sacerdoce de Moïse, Israël n'a pas cru. OK? Parce que le sacerdoce de Moïse consistait à voiler les visages pour que le peuple ne croie pas. En d'autres termes, le sacerdoce de Moïse représente la dispensation lévitique, laquelle dispensation ne donne pas la vie.
On est ensemble, non? Ceci est représenté par le brigand qui n'a pas cru. Ok? L'autre brigand qui a cru, lui représente les sacerdoces de la grâce. Lesquels sacerdoces de la grâce nous amènent à l'enlèvement. On est d'accord, non? Parce que dans cette dispensation, nous attendons l'enlèvement. C'est ça Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus sur la montagne. Pourquoi? Je vais essayer de basculer de deux manières. Hein? Je basculerai de deux manières parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. En réalité, sur la croix, nous avons deux sacerdoces. Nous avons l'alliance du matin et l'alliance du soir. L'alliance du matin se résuma par l'homme brigand qui n'a pas cru. Et l'alliance du soir représenta l'homme du soir, représenta celui qui avait cru. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que j'ai... Parce que je suis en train de vouloir m'asseoir sur ce que je voudrais vraiment dire avec beaucoup d'attention. Regardez. Et l'Écriture dit ceci. Après ces événements-là sur la croix, Jésus va donc crier, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il poussa un cri, rendit l'âme. Les soldats vont témoigner, celui-ci est véritablement fils de Dieu. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle moi transfiguré. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que non, ce n'est pas ce que nous croyons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Marie, mère de Jésus, Marie et Jean, qui étaient au bas de la montagne, représente Pierre et Jacques et Jean. Jésus qui est sur la croix avec les deux disciples représente Jésus transfiguré s'entretenant avec Moïse et Élie. Les autres disciples qui étaient restés représentent les disciples que Jésus n'avait pas pris pour aller avec eux. Et ceux qui n'avaient pas participé à cette Pâque-là représentent tous ces hommes-là qui ne vont pas croire à l'évangile. Voilà, je voudrais ajouter quelque chose pour conclure. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse tout un chacun. Je suis en train de conclure mon intervention. Mon intervention sur Matthieu chapitre 17 se résume également dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Lisons. Parce que j'ai disposé mon intervention en quatre compartiments. Depuis que j'ai commencé, je l'ai disposé en quatre compartiments. Ok? Mais avant de pouvoir conclure, il est important de rappeler aussi que quand Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus sur la croix, c'est aussi une double dispensation. C'est-à-dire que Moïse représente ceux qui sont morts en Jésus, qui vont ressusciter. Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La Bible dit que tous ceux qui sont morts en Jésus, au son de la trompette, ressusciteront. Ok? Donc, Moïse qui est mort et dont le tombeau n'a pas été retrouvé, et aussi l'image de tous ceux qui sont morts en Jésus, et qui ne sont pas dans les séjours des morts, mais qui sont dans les seins d'Abraham. Et ces gens-là, au son de la trompette, ressusciteront. Ok? Parce que Moïse était mort. Alors que Élie n'a pas connu la mort, la Bible dit qu'Élie est monté au ciel. Donc Élie va donc représenter la dispensation de ceux qui seront vivants au jour de l'avènement de notre Seigneur. Ces gens-là, qui seront vivants, vont automatiquement revêtir l'incorruptibilité du corps. Maintenant, avec ceux qui sont morts en Jésus, vont ressusciter. Et ensemble,
Et ensemble, ils vont être enlevés pour aller au ciel. Ok? Donc, il faut comprendre qu'en fait, Moïse et Élie représentent la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais conclure mon intervention pour finir dans les livres de Matthieu chapitre 13. Parce que j'ai disposé mon intervention en quatre chambres, quatre compartiments. Je commence, c'est là que je vais conclure, je ne vais pas exploiter pour ne pas user de votre temps, parce que ça fait déjà une heure que je suis en train de parler. L'Écriture dit, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4. Un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le premier endroit, c'est le long du chemin. Ok? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Deuxième partie, c'est les endroits pierreux. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Avez-vous remarqué quand un semeur est sorti, le semeur va rencontrer quatre sortes de terres. La première terre, c'est le long du chemin. La deuxième terre, c'est la terre pierreuse. La troisième terre, c'est la terre des épines. Et la quatrième terre, c'est la bonne terre. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. Si vous les disposez, vous allez remarquer que cela reprend la première terre qui est restée sous l'eau, la deuxième terre qui est sortie, qu'on appelle le sec, la troisième terre qui est la terre arrosée, et la quatrième terre qui est la terre qui a reçu le souffle de Dieu, qui est Adam. Ramenons cela dans les livres de Matthieu chapitre 17. Vous remarquerez que la première terre, c'est les mondains qui sont restés dans le monde. La deuxième terre, ce sont les disciples que le Seigneur s'est choisi. La troisième terre, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et la quatrième terre, c'est Jésus lui-même transfiguré. Je ramène cela sur la montagne de Golgotha. La première terre, c'est les disciples qui n'ont pas participé à la dernière Pâque de Jésus. La deuxième terre, ce sont les disciples qui ont mangé la Pâque avec Jésus. La troisième terre, c'est Marie, mère de Jésus, Marie et Jean, qui sont avec lui sur la croix. Et la quatrième terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la montagne. Voici, telle a été mon intervention d'aujourd'hui, telle que me l'avait demandé l'administrateur principal du groupe. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous comble, le vôtre, le frère Adélard.